y a un temps pour toi, il y a un temps pour moi, il y a un temps pour nous. La tentation, le temps de l'action, un temps de réflexion dans l'action. Tant de façons, de toute façon, pourquoi pas là, pourquoi pas ici. Tu parles de temps intensément, mais toi prends-tu seulement le temps d'être au présent? Non, 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 non. J'aurais plutôt passé composé, te dis chez moi, ce serait plutôt l'imparfait. Et pourtant, est-ce que l'on a vraiment le temps de vivre dans un monde où la bourse a un tempérament d'amant? Elle va à gauche, à droite, partout, coule les petites entreprises qui prennent le temps de laisser filer un employé tant attendu par un enfant qui rêve 7 ans en attendant son papa impatiemment. Non, non, non. Je prends trop mal le temps où les enfants n'ont pas le temps d'être heureux dans l'argent. Fais courir les gens. Et pourtant, je préfère rester au passé imparfait, car le présent parfait annonce un futur sans temps passé. Juste un moment suivi d'oublier, pas de course effrénée à l'enterrement. Une vieille tante me dira, y'a pas le temps d'avoir le temps de regarder le temps. Instantanément, je mets au vent, pour être à tel sens du temps qui tente de souffler, comme qui dirait. Un temps à gauche, un temps à droite, un temps à gauche, un temps à droite. Et pourtant, je vais pas avoir le temps d'avoir des remords, car quand je serai mort, oui au moins là j'aurai le temps. Oui quand je serai mort, je ne veux pas avoir de remords. Oui quand je serai mort, et ben alors là j'aurai le temps. Oh oui j'aurai le temps. Thank you.